Et eh bien salut à tous mes chers amis gamers, ici Mifa24, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la suite de Red Dead Redemption, on va donc continuer cette aventure hippique extraordinaire de l'époque western. Et donc c'est parti, excusez-moi. Donc la mission auparavant, je préfère mieux vous rappeler, si vous ne le savez pas ou si vous ne l'avez pas vu. L'épisode auparavant, donc tout simplement, c'était l'attaque d'un train, où il fallait tout simplement détacher le wagon et ensuite faire péter le truc à l'ext... Alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Les portes d'El Presidio. Donc voilà, il fallait tout simplement voler un wagon, détacher l'autre wagon, etc. Et voler ce qu'il y avait dans le coffre et donner le reste aux rebelles. Voilà. Allez, attention, c'est parti, je vous laisse regarder cette petite cinématique. Allez, à tout de suite. Oye, mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, ¿eh? And I mean rougher, ¿eh? What would your most loyal follower, Luisa, say about that? Who? Luisa, the girl from Campo Morada? Her, a gentleman never tells, but she was a most wonderful... I just say she was increíble, yes. Let me tell you something. I strongly recommend her. You take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasants. Don't you love peasants? I love them. They have such purity. Are you gonna marry her? Ha! Marry a peasant? My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tight gun and the hands of a farmer. Well, I really don't think so. My mother, que Dios la cuide, would turn in her grave. Interesting. Mm-hmm. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother, huh? Yes, the man you seek. Together. We will bring them to justice. Let's go. Quel petit salopard ce Reyes. Petit enfoiré de tes morts. Donc c'est parti mes chers amis, donc on va continuer d'après ce que j'ai compris. Il nous parlait de je sais pas trop, bon, il a un peu trop parlé ce mec. Par contre je vois que c'est bourré de TNT, donc je pense qu'il va y avoir de l'action. Moi j'aime bien quand il y a de la TNT comme ça. Donc on va passer le trajet, donc parce que bon, le trajet il nous raconte rien du tout, et c'est vraiment chiant. Il va donner, réveille-toi, je sais, bon. Il me prend pour un con le mec, mais je sais très bien ce qui va se passer après. Attention. C'est quand même dangereux, hein, c'était pas de voie externe, de trimballer la TNT comme ça. Il suffit de mettre une petite balle pour tout faire exploser. Pendant ce temps, mon ami américain, vous conduisez ce chariot à l'entrée principale et vous en sortirez une fois à proximité. Il a été chargé de 5 caisses de TNT. C'est de la folie, la mèche est assez longue. Oh, enculé. Ok. Le mec... Eh mec, je suis pas un kamikaze, moi, quoi. Ah ouais, les gens comme ça qui me prennent... Ils me prennent pour un japonais, quoi. Mais je suis pas un japonais, moi, je suis pas... Maintenez votre vitesse et tenez-vous prêt à sauter, ok. Ok, ça c'est fait. Petit coup de crosse comme ça, la One Game Beast Fly Forever, c'est magnifique, c'est joli. Allez, c'est parti. Il va avoir de l'action, ça va chier. Comme d'habitude, moi, toujours en mode rush. Je crois que c'est un peu dangereux aller en mode rush, mais c'est pas grave, je n'ai rien à faire. Je suis comme ça, je suis... Je suis fou dans ma tête. Hop, une balle dans sa tête, lui, ça la calme. Ah non, ça l'a pas calmé, je crois que je... Ok, c'était ça. Ok, je crois que la TNT a... pété, ça m'a... Ça m'a juste défoncé les oreilles dans le micro aussi, tu vois. C'est pas que dans le jeu, mais c'est aussi... Merde, je suis balle. Eh merde, je me loupe. Ça le touche pas.
ça il fallait pas te faire voir. Ok. Il me reste plus que 4 balles, c'est un peu la crise. J'y arrive plus là, je sais pas ce qui se passe. Ok, lui je lui ai mis une balle dans la tête donc c'est bon. Lui c'est bon aussi. Allez on y va. C'est bon quoi. Le mec, j'ai pas envie de perdre du temps, moi je suis là pour tous vous déglinguer. Hop, j'avance. Il y en a un sur ma gauche. Ici. Ah ouais, Mifa, vous savez très bien, il y va à l'ancienne. Par contre, je suis bloqué, voilà, merci. Ce serait bien de me débloquer. Ça serait sympa, quoi. Toi, par contre... C'est bon, toi, faut pas me prendre la tête trop longtemps non plus. Toi, sors d'ici, là, je sais que t'es ici. Voilà, lui, il est mort, c'est fait. Ce qui est vraiment chiant, par contre, c'est la caméra. C'est un peu la merde, je l'avoue, honnêtement. Non, attendez, j'ai juste récupéré les munitions. En fait, c'est vraiment ma manette qui déconne. Ah, lui, c'est bon, c'est fait. Du coup, j'ai 2 balles encore. Une pour lui. Et une pour lui. Hop. Ah, vous savez très bien comment je suis, hein. Toujours dans le rush, quoi. Hop, toi tu cours, toi tu vas pas échapper à la mort mec, hein, je t'explique. Ouf, de justesse, j'ai failli mourir. Ok, donc je pense que les autres peuvent se démerder, je vais juste aller là, je vais voir ce qui se passe. Ok, je pense qu'il est en haut le mec. Allez hop, je monte. Donc il parle de Javier, mais ça doit être Ravier. Je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Ravier. Ok, donc il n'est pas là. C'est vraiment chiant la caméra qui déconne, non? Est-ce que je peux sauter? Je pense que oui, je peux. Ok, donc je saute. Par contre, je prends vraiment d'énormes risques. Il y en a juste en bas. C'est bon, il est mort. Je vais essayer de sauter, hein, ça va faire mal. Aïe. Voilà, là je suis entre la mort par contre. Je me méfie, hein. Je fais vraiment attention. Ok, donc à mon avis je dois peut-être passer... Ah non, je vois qu'il sort par là. Ok, alors attendez. Il y en a aussi là-bas. C'est bon. Là, je vais prendre le fusil à pompe. Voilà, toi, par contre, t'as pas eu de chance. Ah, je suis coincé. Ah, c'est bon. Ok, il se cache ici. Nickel. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So, now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. No, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. In Dutch, Dutch is in Colombia. On a vu la caisse qu'il a là. Je suis sûr qu'il va me balancer pour s'enfuir. You left me to die? To save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother.
I've always loved you. Even now. Voilà, j'en étais sûr. On est y avoir une course poursuite là. You never won, you got it, this John. Merde, il est passé par où? Je crois qu'il est passé par là. Ok. Mais toi t'es à moi. Viens ici mon coco. C'est fini. Allez hop. Je voulais pas se foutre de ma gueule trop longtemps comme ça tu vois. Je te ligote. Where's Bill? I don't know. Where's Bill, you son of a bitch? Do you think I won't kill you, brother? He ain't here, brother. He's with Agenda. Ok, donc le cheval est juste ici. En fait, j'ai fait exprès, vous avez vu, j'ai tiré sur le cheval pour qu'il meure. Pour tout de suite après ne pas blesser ce mec là pour afin de l'attraper avec l'assaut. Le pauvre cheval il y était pour rien, mais bon, j'avais pas trop le choix. Peut-être tirer dans les. Là où on tient nos pieds là. J'aurais peut-être dû tirer là, mais bon. J'ai pas trop réussi. On va porter jusqu'aux cellules comme ils disent. Du coup, comment on fait là? Transporter la victime. Ça, j'appuie sur bleu, ça me fait sauter quoi. What the fuck? Là, c'est bon. Don't be sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? Oh, ah, you puto. Ah, one day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know, that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Come. Yeah. Ok, donc l'armée a renvoyé des renforts, donc c'est parti. Ça risque de chier, donc à mon avis, je dois sûrement prendre. Bon, attendez, je suis bloqué. Ce que je voulais dire, utiliser le canon. Je vais essayer de vite attraper le canon. Hop. Enfin, l'attraper. Qu'est-ce que je raconte quoi? Le prendre. Comme ça, voilà. Donc c'est parti, on va voir si j'ai perdu le coup de main ou pas avec le canon. Je pense qu'ils vont arriver par là. Plutôt facile, mais bon. Dommage pour les chevaux, ils vont crever direct. Il y a un mec là, il bouge là. Ah c'est bon, il est mort. Je préfère. Comme ça. Olé! Olé, que passe! Allez, bouffer ça là. Je me suis chié par contre. Là, c'est plutôt bon. Et là, il y en a un qui arrive à passer quand même. Voilà, je préfère. Allons, 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 allons. Le truc, il est pas trop droit. Vous voyez le petit point? Même quand je tire à un endroit précis, ça ne les touche pas. Simplement parce que ça part un peu en couille, vous savez, avant la visée n'était pas tellement propre comme aujourd'hui. Là par contre j'ai bien réussi. Récupérer Escola dans sa cellule, ok, donc on va le récupérer. Je vais passer par là, ça va plus vite. Ok, ok, bon, j'ai essayé d'escalader le truc, j'y arrive pas. La voix de Game Beast to Fly Forever. Hé hey, hé, salut Jackie, on vient de te récupérer. Toi par contre, je vais te buter toi par contre. Si j'ai la possibilité de te tuer, je le fais tout de suite. Tu vas pas échapper comme ça, ce sera pas les rebelles qui vont te tuer, hors de question. Ouais, il me le donne je crois. Haha, il me donne la possibilité de le tuer. Mr. Ah non. Marston, fancy seeing you down here. I must say it's a pleasant surprise to see you. You've done well, Mr. Marston. Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you.
Eh oui, à cette époque-là, il y avait des voitures. Vous ne rêvez pas. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area. Oh, your wife sends her regards. Il vient de parler de notre femme, enfin de la femme de ce personnage qui est donc John Morrison. Donc, du coup, c'est cool. Eh bien écoutez mes chers amis, donc on a réussi cette fameuse mission, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas donc à commenter, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, allez bye bye tout le monde.